Face à la plage se trouve l'hôpital de Gorlice, un ancien sanatorium marin construit au début du XXe siècle. À cette époque, la tuberculose infantile était très répandue et posait de graves problèmes. Le docteur Areilza, en collaboration avec d'autres médecins, rédige un projet reflétant les avantages de placer un hôpital dans la baie de Gorlice. Pour que les malades profitent des heures de soleil et d'eau de mer à forte teneur en iode comme méthode de guérison. Le sanatorium dispose de plusieurs salles et de grandes terrasses. Il a été construit conformément à l'esthétique de bâtiments du Pas-de-Calais. Il s'agit du premier hôpital en béton armé construit sur la péninsule.